mo ci nek inactivé n'est-ce pas té vaccin yi sokoy jox nit ki dang koy piqûre tay ci loxo xaraat ba lu mo 3 semaines ñetti semaines wër bu manké nga tolontiko boko tolonté yow sa vaccination motna mais nak vaccin yi suñu joggé fi ñu ngi won ci chambre froide moy manam ci sédday lañuy continuer di nek ci suñu chambre froide yi suñu len di yobbu ci région yi manam ci gox yi ak ci gox goxat yi tamit dañuy nek ci sédd ñu denc len ci ay frigo ay réfrigérateur yi nga xamné ay frigo yi nga xamné ñom tamit chambre froide yi moy manam liñuy conserver vaccin moy anam yu gëna woor moy que ça veut dire rek so sété ñak yi dañ ko jël ci anam yu woor pour que nit ki ku ko jël tamit ci anam yu woor ngay nek amul ben galancor kon nit ñi amuñu ben jixi jaax ci vaccin yu am ni té Sénégal tamit lim ci def lu reuy la. Absolument, Sénégal lim ci def lu reuy la mu melni vaccin yi conteneur bu ñëk bi genn na ci aéroplane Air Sénégal. Donc mu ngi ñew djégé ci ki nga xamanteni modi njitu rew mi président de la République Macky Sall nga xamanteni mo wara delo li di vaccin yi nga xamanteni mom lañu jot moy première dose yi nga xamanteni Sénégal mu ngi don xarandi njitu rew mi président de la République Macky Sall juñjon nako ci conseil des ministres ñaari ay bëss ginaaw né Sénégal dina delo li nga xamanteni modi ses première dose de vaccin lata wéru février bi di dé. Donc promesse la won digé la won digé bi tay ji fasna fegna ni nga xamantene modi première dose de vaccin yi yexina gannaaw bam ko annoncé won mom jitu mi président de la république Macky Sall mu ñew ci bopam ngir dalo li nga xamantene modi première dose de vaccin yi parce que li mëna japp tay ji modi li nga xamné modi masmi fu mu toll ni ak dégâts yi nga xamantene mu ngi koy def li ñu mëna gëna japp modi li di ki li nga xamantene modi amul remède manam waye mën nañu fagandiku té fagandiku bi yépp mo aju ci li nga xamanteni mo jëm ci walu vacciné wu manam ñakku donc ñakku bi dafa am solo. Alors professeur Jay, on est arrivé à l'instant T, le président de la République est en train de réceptionner ces doses de vaccins. À partir de ce moment-là, que peut-on dire sur cet événement qui est important dans la vie du peuple sénégalais? Oui, je pense que c'est une bonne réussite pour nous en tout cas, parce qu'on a pensé à cela depuis très longtemps. Quand est-ce qu'on va recevoir ces doses de vaccins? Aujourd'hui, on les a reçues et vraiment, c'est une excellente chose. Nous qui sommes vraiment dans le terrain et qui travaillons dans le domaine de la vaccination, quand on voit qu'il y a cette possibilité-là de sauver la population, de diminuer leur souffrance, et vraiment, c'est une très, très bonne chose. En tout cas, c'est un moment solennel. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment c'est exceptionnel. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'on se l'approprie. Il faut que la population sénégalaise se l'approprie, sache que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est bien pour nous. C'est vital. Et bien, c'est pour sauver des vies. Et je crois qu'il faut nécessairement qu'on le comprenne et qu'on ne rejette pas. Monsieur le Président, merci beaucoup. Et c'est un honneur de vous avoir ici avec nous pour vous présenter la première palette qui vient d'être déchargée pendant que les autres palettes sont en train d'être déchargées. Là, c'est juste une palette qui fait 6 boxes. Chaque box fait à peu près 8800 doses de vaccin, avec un conditionnement qui lui permet d'avoir une température constante entre 2 et 8 degrés Celsius. Chaque boîte qui est là fait 350 kg. Donc ça fait x6 pour le poids de la palette. Nous avons eu un transport depuis Beijing de 22 heures environ, avec une escale technique à Astana. Donc ça fait un très long vol. Et nous avons encore 9 heures de temps pour passer cette palette en chambre froide au niveau de la PNA. Donc voici, Monsieur le Président, très rapidement, la description du parcours. Et dans chaque box également, nous avons des capteurs de température qui nous permettent à l'arrivée de valider et de vérifier que la température a été bien conservée entre 2 et 8 degrés Celsius, de manière à assurer la qualité du vaccin. Voilà. Et Monsieur le Président, et encore une fois, je voudrais vraiment remercier l'opportunité qui a été donnée à Air Sénégal, notre pavillon national, de transporter les premières doses de vaccins pour le Sénégal et certainement pour les autres pays de la sous-région, parce que nous sommes en train de travailler vraiment pour faire de Dakar un hub de dispatching du vaccin, avec les capacités que nous avons sur les avions A330neo
qui peut faire direct Dakar-Beijing. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire ça aujourd'hui parce qu'il y avait encore des éléments administratifs à finaliser. Mais c'est un avion qui aurait pu faire direct Dakar-Beijing et à partir de Dakar éclater dans toute la sous-région avec des avions A320, A321 et A319 dont dispose Air Sénégal pour faire cet éclatement. Donc nous allons vraiment à travailler sur le sujet si vous le permettez. Monsieur le Président. Air Sénégal qui vient d'expliquer au président de la République les conditions dans lesquelles le voyage s'est déroulé, le parcours des box qui contiennent naturellement ces premières doses de vaccins. Et dans un très grand instant, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, mesdames et messieurs les ministres, madame la première dame, excellences, messieurs Jiao Han, ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, Madame la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame la représentante de l'OMS au Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de gestion des épidémies, Mesdames et Messieurs en vos différents rangs et grades, mes chers compatriotes, ce jour est historique. Il y a bientôt un an, exactement le 2 mars 2020, notre pays a enregistré son premier cas de COVID-19. Depuis lors, avec un personnel de santé courageux et dévoué, nous avons engagé avec foi et détermination, une lutte sans merci contre une maladie devenue planétaire. Je voudrais encore une fois féliciter les personnels de santé pour leur engagement, leur dévouement, mais aussi leur compétence. Aujourd'hui, et je le dis avec fierté, nous abordons une nouvelle étape de notre combat commun contre notre ennemi commun. Une étape porteuse d'espoir avec la réception de ces 200 000 doses de vaccins anti-Covid acquis auprès de la firme chinoise Sinopharm et convoyées depuis Beijing par notre compagnie nationale Air Sénégal. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, soyez mon interprète auprès de mon ami, le président Xi Jinping, pour lui transmettre mes sincères remerciements pour avoir facilité nos contacts et échanges avec la compagnie Sinopharm. Merci à vous-même, Excellence, et à votre équipe pour le suivi quotidien de cette opération complexe depuis plusieurs semaines. Je félicite le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et ses équipes pour le temps et les efforts considérables consacrés aux préparatifs de l'opération. Je vous encourage pour le travail tout aussi important qui reste à faire. Nous recevons ces vaccins dans d'excellentes conditions. Du conditionnement au transport, tous les standards internationaux de conservation et de sécurité ont été observés. Ces exigences seront respectées tout le long du circuit de distribution jusqu'aux lieux de vaccination les plus reculés du Sénégal. Nous disposons en effet dans chacun des 79 districts de la chaîne de froid nécessaire à la conservation des vaccins dans les meilleures conditions, avec plus de 1700 réfrigérateurs, dont 1117 réceptionnés récemment.
Je remercie pour cela nos partenaires du Gavi pour leur soutien. Tous ces équipements sont homologués par l'OMS et nous allons en acquérir d'autres qui permettront de conserver tous les types de vaccins. Ce premier lot de 200 000 doses acquis sur notre propre budget est destiné à faire face à l'urgence sans attendre le déploiement du don prévu dans le cadre de l'initiative COVAX. L'urgence aujourd'hui, c'est la protection de nos personnels de santé de première ligne dans la lutte contre la pandémie. C'est aussi la protection des personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec une comorbidité. Ce sont ces trois catégories qui constituent les cibles prioritaires pour lesquelles nous allons commencer la vaccination. Je me réjouis également d'annoncer que nous avons déjà entamé le processus d'acquisition d'autres lots de vaccins dans les toutes prochaines semaines pour un total de 6 798 000 doses qui nous permettront d'entrer dans la phase de vaccination de grande masse. Et je voudrais fermement dire ici que tout ce qui a été fait en matière de vaccination contre la COVID-19 est conforme aux meilleurs standards dans le monde. Les vaccins que nous avons acquis sont validés au plan international et nous avons suivi pour leur acquisition les recommandations rigoureuses de notre comité d'experts sur la vaccination. Je suis fier de nos experts. Nous leur faisons entièrement confiance parce qu'ils sont parmi les meilleurs. Et leur expertise est sollicitée bien au-delà de nos frontières. Ici, c'est la science qui s'exprime et qui éclaire. Notre rôle et ce que nous faisons depuis le début de la pandémie, c'est d'écouter, de suivre et de soutenir ce que dit la science à travers nos experts. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter, de douter ou de spéculer sur les vaccins anti-Covid qui, du reste, sont déjà utilisés depuis plusieurs semaines par les pays développés. Au demeurant, je dois rappeler qu'il n'y a rien de nouveau en matière de vaccins au Sénégal. Notre programme élargi de vaccination remonte à 1979 et couvre aujourd'hui 13 maladies. Le vaccin anti-Covid vient donc élargir et renforcer une stratégie vieille de 42 ans. Je rappelle également que l'Institut Pasteur de Dakar, qui produit depuis plusieurs années le vaccin contre la fièvre jaune, se positionne pour intégrer le cercle restreint des laboratoires producteurs du vaccin anti-Covid. Pour toutes ces considérations, j'exhorte les cibles prioritaires dans quelques jours et qui vont bénéficier de ce vaccin à respecter les rendez-vous nécessaires afin de recevoir les deux doses requises pour une protection efficace. Et dans la perspective de la vaccination de masse qui va débuter prochainement, je lance un appel à toute la population pour une adhésion totale à notre stratégie de vaccination. Nous combattons ensemble depuis le début de la pandémie un ennemi commun qui menace notre santé et nos vies, qui nous a ravis des êtres chers. Nous prions pour leur repos éternel et que Dieu les accueille en son paradis. Aujourd'hui que nous avons
l'arme nécessaire pour réduire la propagation du virus, voire son élimination, nous ne devons pas rater l'occasion. Mais il nous faut en même temps continuer à respecter les recommandations sanitaires, notamment le port obligatoire du masque, les mesures d'hygiène et les gestes barrières. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, je vous exhorte, avec vos équipes, à engager sur le mode fast-track le démarrage des opérations de vaccination sur l'étendue du territoire national, conformément à la stratégie déjà validée. Toutes les ressources nécessaires seront mobilisées pour vous appuyer, y compris celles de nos forces de défense et de sécurité, dans l'esprit armée-nation. Vous avez, Monsieur le ministre, toute ma confiance. Vous avez mon soutien. Mbokki, Teidi, Defenek, Bosbou, Mag, du Sénégal. Ndax yalla defna di mbass mi tambalé ci réew mi bétay daw ci waxtu wi ñaar ci wéru ñaari fan ci wéru mars le tambali ci Sénégal muy fièvre bu law wër aduna yépp def nañ ci nak bobé légui suñu kem katan ci walu wone walu kër docteur mobiliser nañ lepp luñu amone ci ay borom yi xam xam ay docteur ak ñi ñu andal ngir fajj ñi nga xamné mbass mi lal na la bobu légui itam mo suñu joggé ci di taxawal lepp luy kom wala alal jo xamné soxla nañ ko rek pour wañi cionu doomu Sénégal ci février bi lolo waral malgré que aduna bi yeb taxaw nañu ngir ñu am ay ñak yo xamné warna law ci aduna bi waye gis nañu né bañu tambalé ba tay réew Afrique danaka amuñu ben yoon vaccin yi lé lolo waralon nak mané nam ñu ngi ak OMS ñu ngi ci yenen initiative waye nak ndimbal na ci fekk loxol borom nañu tibul suñu alalu réew budget bo xamné dañu jënd ay vaccin lu mën di jar lolo lañu tambalé mo waral li tay may gërëm bu baax nak président bu réew République populaire de Chine ñu koy wax président Xi Jinping bamako bindé matul wèr bo be légui li yépp ñu taxaw ci mu jappalé ñu ci société bi défar vaccin yi ba tay ji gis ngeen avion tam Air Sénégal mo dem be réew Chine andil ñu ñak yi lool nak lu jara sante la suñu borom ginaaw fébar bi garab amagul bu ñu bu lèr kon ñak yi dana wañi lu bare bare ci jafé jafé waye nak ki nga itam pour mu mëna am faaw mu am nañ ko doxalé ndax ñaat téméré jooni ci ay vaccin ño fi nek population bi wara vacciner wu upp na lool waye ñu ngi wut yeneeni dose xeyna bala moy ñew dañuy jital ci ñi ñu wara ñëk ñak moy wa kër docteur sen bop nga xamné ñoy faj maladie ñoy dëkk ñom do leen di yëkëti ñoñu nga xamné bëss bu ne ñu ngi jankanto ak jangoro ji moy ñi jitu ginaaw ñoñu itam mag ñi nga xamné am nañu juroom ben fukki at wala and ak jangoro wala am at yoy le da nga xamné souvent ragal nañu bu mbass mi ñëwé mëna andi ngañ ñoñu lañu ñoñu aussi ñoy cible bi ci top après nak comme ñu ngi wut yeneeni ñak ñi ci def ñëpp inshallah ku ci ne sa yu ne ministre de la santé ak wa CNG dinañu wax nañ ko wara defalé loolu dañu bëgg ñu xamné du am ben njuj ñaaj du am ben parparlo du am ben service camarade wana ministre bi tay na lepp jaar ci yoon ku ci wara am am ci d'abord parce que lepp dinañ ko tracer ku ñakku dañu xam kan la fu mu bok lan moy caractéristique kon ñu sante yalla santat ko bu baax bimu ñu permettre tay ñu bok ci réew yi jitu ci Afrique ak suñu effort bop ben li meuna antu kon yalna yalla yok taxaway bi te dimbalé ñu wañi dindi fi mbass mi te ñu continuer nak di fagaru ndax ñak yi ñow rek warul tax ñu dindi masque faaw ñu continuer di fagaru di tak masque
ci anam bi mu gëna rafété bëss bu né docteur Ndiaye ak wa keur docteur ñu ngi leen koy wax masque bi niñ koy také day ub gemmeñ ak bakkan loxé ñukoy raxas té di dandando lolu mom ala kulialen faaw ñukoy def ba nga xamné fièvre bi jeex na ci aduna ci dañ ko dogo arrêté kon ñu ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp di sante ministre de la santé ak équipe yi mu andal yëpp di sante gouvernement bi aussi makoy féliciter parce que ñom ñëpp seen taxaway rafet na allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. Voilà, donc c'était là le message du président de la République Kissal, un message plein de sens. C'est aujourd'hui un moment de fierté que le président de la République est en train de partager avec le peuple sénégalais. Allez, docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, avant de vous lâcher, le président de la République vient de réceptionner donc ses premières doses de vaccin. Il s'agit pour le Sénégal aujourd'hui de s'acheminer directement vers la vaccination en mode fast track, c'est ce qu'il a dit. En mode fast track, c'est pour aller directement dans le vif du sujet, comme on le dit, administrer ses premières doses aux premières cibles prioritaires du Sénégal qui, dans quelques jours, vont bénéficier de ces vaccins qui vont leur permettre d'être protégés contre ces maladies. Donc pratiquement, on va y aller, les équipes seront formées, les doses seront acheminées au niveau des différentes structures du pays pour que le pays se mette enfin au travail dans la sérénité et dans la tranquillité. Alors, dernier mot vous revient, professeur. Oui, Jay. Tout à fait. Je suis d'avis, hein, de même avis, parce qu'il ne faut plus attendre, hein, les vaccins sont là. Et donc, plus on y va dans le temps, plus rapidement on y va, mais mieux c'est. Donc, on sauvera des vies. Donc, par conséquent, il faut que maintenant, qu'on mette tout ce qu'il faut autour, la logistique surtout. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, c'est la science, c'est la recherche. C'est une victoire de la recherche. C'est la recherche qui a permis d'avoir en un an des vaccins qui sont efficaces. Maintenant, aujourd'hui, qu'on a accès à ces vaccins-là, je pense qu'il n'y a plus de raison de s'arrêter. Il faut commencer dès maintenant et ça permettra vraiment de réduire considérablement le taux de mortalité et vraiment les décès que nous avons et également les formes graves qui sont liées donc, à cette COVID-là. Merci, professeur Dieu. Merci également au docteur Elhadji Mamadou Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'on pouvait retenir ici à l'aéroport international Béziane Doudias, la cérémonie de réception des premières doses de vaccins, 1200 000 doses de vaccins. C'est un moment de fierté, c'est un instant historique. Le président de la République, Macky Sall, l'a souligné. Donc, en ce moment, il faut y aller à la vaccination. Les premières cibles, ce sont les personnels de santé qui sont en contact permanent avec les malades. Et puis ensuite, la planification va suivre derrière. Merci de nous avoir suivis. C'était nous étions en direct de l'aéroport international Béziane Doudias avec la coordination de Abbas Sow. On vous retourne l'antenne, le triangle du Sud. Au revoir et à très bientôt.